FIFA depuis 2010 et qui a notamment alors arbitré deux matchs de qualification à l'Europa League chez les seniors et puis également un match comptant pour la Ligue. Pembele Yessien qui va s'appuyer sur son capitaine. De Champions League international, c'est quand même un sacré personnage, un sacré footballeur qu'il était sur le terrain. Et les retours sont très bons, ils apprennent beaucoup avec peut-être une image, une vie. Et on va pouvoir, voilà, regarder, repasser par derrière, repartir dans l'axe avec. Il est au Paris Saint-Germain. Oh, attention là, Tardic qui a pris la poudre d'escampette, qui a fait surtout la différence. Pressé par Kupusnovic. Ah, mais qui s'en sort bien encore une fois. Oh hein, oui. Williams, qui a déjà été averti dès le premier quart d'heure. On verra comment il gérera justement eh bien, tout ceci. Elle peut prendre le dessus. On a vu hein, la mauvaise transmission de Capot qui cherchait justement à Kalimendo. Tifu 19 des équipes professionnelles. Toujours l'accent hein, mis sur la construction box-to-box. C'est bien fait ça avec Yessien. De quel bois est faite cette équipe? Oh, attention à cette mauvaise relance là. Attention à cette nouvelle relance avec Kuposovic dans la surface de réparation. Qui réclamait un petit quelque chose, mais monsieur en 2002. Il y avait faute, je pense, sur Yessien là. Et en effet, monsieur Sen qui n'a rien signalé. Attention à ce duel. Notamment entre le capitaine Kouassi. Force mentale, la force collective aussi d'une équipe. Mais si on peut déjà s'y confronter à l'occasion d'une UEFA Youth League. Williams qui va ressortir. L'équipe de l'étoile rouge vous oblige aussi à être très très juste techniquement. Parce qu'il va falloir essayer comme ça de... Et à nouveau, une transmission trop approximative. Mais surtout le bon travail là de Kouassi, le capitaine, qui donne le là dans cette fin de partie. Pas faute, hein, c'est un duel. Voilà, Yessien émet un petit peu plus d'impact. Récupère le ballon. Derrière, Gordic prend un carton. Lui, Nianzou Kouassi, forcément, en bon capitaine, il avait joué l'intégralité hein, du match.